Hello everyone, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Arena of Valor. Arena of Valor est le League of Legends version mobile, mais qui n'est pas League of Legends parce qu'il va sortir très bientôt sur Android que je vais avoir hâte d'essayer. Donc il est fait par Tencent et par Timi. Le nom exact c'est Honor of King qui est sorti en Chine et qu'il est énorme là-bas. Donc je vais vous présenter une partie en ranked match. Donc je suis en Silver 2, je me mets en solo où je vais espérer avoir une partie assez rapidement. Le problème d'Arena of Valor, c'est qu'il y a du monde qui joue, mais pas tellement, donc ce qui fait que le temps estimé pour l'attente peut être assez long d'attente. Je suis côté mauvais côté que j'aime pas spécialement. Donc généralement, je prends le personnage de Valheim qui est un Marksman, parce que j'aime beaucoup sa technique d'attaque. Voilà, bon, par contre, j'ai vu que je suis du mauvais côté, je suis côté rouge normalement, alors que je préfère le côté bleu. Donc il a ses skins. Il y en a que je peux essayer parce que je les ai en trial. Il y en a que j'ai pas encore acheté. Et en Dandy il est classe ou en Paragon il est classe. De toute façon c'est mon perso préféré à jouer. Comme vous pouvez voir, je joue assez souvent. Il y a des attaques assez sympas en plus, donc ce qui fait que c'est tout très cool. Et il fonctionne comme un League of Legends de base, sauf qu'il est sur mobile. Il est un peu plus accessible, prend un petit peu moins de place que Vainglory, qu'à l'époque il prenait énormément de place. Il a le mode Chase aussi que j'ai pas essayé du tout. Parce que Chase, je préfère autant jouer à Teamfight Tactics, que je vais vous faire une vidéo un jour. On achète les trucs et après. On part donc, moi c'est plutôt conseillé que je parte du côté de la Dragon Line. Attendre que tout se débloque. J'aime pas vraiment du côté rouge parce que je préfère partir de l'autre côté. Voilà, je joue toujours pour compter la truc. J'ai plus beaucoup de points d'HP, donc on va revenir avant de me faire tuer. Dommage.
J'étais si proche de... Je l'ai pas vu arriver l'ennemi. Il évitait de se faire encore tuer et voilà, essayer de partir se soigner avant. Cette partie elle est quand même assez costaud à gérer. J'ai du mal à tuer quelqu'un alors d'habitude j'arrive à faire des MVP et tout du genre. Je mets pas le côté où je suis en rouge. Là ils disent qu'on est en bleu. C'est la première fois que je vais essayer exécute, je pensais que ça allait marcher. Ça va être une longue vidéo parce que je vois qu'on avance pas beaucoup. D'après la carte, on est toujours dans un sens où j'essaie d'aller d'être aider les autres, de partir de ce côté et essayer de m'entêter à vouloir battre les autres.
Tu connais un peu les n'importe où. Quoi? Je les ai pas vu venir, ça d'attaque. Je crois que je sais qui s'est pris le plus de dégâts, ouais. J'arrive pas à tuer quelqu'un. Ça me saoule. Celui qui a le bout, il est au taquet. Je sais, je l'ai débloqué, mais je l'ai pas encore joué, mais il est au taquet. Il est de côté. D'ailleurs, c'est cool. Peut-être que j'essaie un jour. C'est chiant parce que j'ai pas vraiment de stratégie sur laquelle aller. Je crois qu'on arrive à détruire une tour, c'est déjà pas mal. Après, ce jeu assez facilement, comme vous pouvez le voir, il est. Ça joue comme un League of Legends, quoi.
Enfin, en fait, j'ai tué un ennemi. Miracle. Miracle, j'en vais arriver à tuer un ennemi. J'avais tué deux ennemis, mais après je me suis pris cette porte, j'ai fait un assist. Franchement, c'est la première fois que j'arrive à faire une partie aussi longue. Veut dire. Je suis méga dans la merde. Et on a gagné la partie. C'est cool. Pas mal. Et tu m'étonnes. J'ai pas encore monté de niveau 14. Normal.